frégate Superbe, scientifiquement connue sous le nom de Fregatta Magnificent, est un oiseau marin majestueux appartenant à la famille des Frogatida. Voici une description de la frégate Superbe. La frégate Superbe est un oiseau de grande taille, avec une envergure impressionnante pouvant atteindre jusqu'à 2,3 mètres. Les mâles sont plus grands que les femelles. Elle se distingue par son plumage noir profond, son long bec effilé et sa queue fourchue. Les mâles arborent une magnifique gorge rouge écarlate qui peut être gonflée en une grande poche appelée « gular ». Les femelles ont un plumage blanc sur la poitrine et le ventre. Habitat, on trouve la frégate Superbe dans les zones tropicales et subtropicales de l'océan Atlantique, de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Elle préfère les habitats côtiers tels que les îles, les récifs coralliens, les mangroves et les zones côtières rocheuses. Elle passe la majeure partie de sa vie en mer, mais revient souvent sur terre pour se reproduire et se reposer. Comportement, la frégate Superbe est un oiseau marin spécialisé dans le vol. Elle est connue pour sa capacité à voler sur de longues distances sans se poser. Ses ailes longues et fines lui permettent de planer et de voler avec grâce. Elle se nourrit principalement en volant au-dessus de l'océan et en volant bas pour attraper des poissons, des calmars et d'autres proies marines à la surface de l'eau. La frégate Superbe est également connue pour son comportement de kleptoparasitisme, où elle harcèle d'autres oiseaux marins pour leur voler leurs proies. Adaptation de vol. La frégate Superbe est dotée d'ailes longues et étroites qui lui permettent de voler sur de longues distances sans se fatiguer. Son envergure impressionnante lui donne une grande agilité en vol, et elle est capable de planer pendant de longues périodes en utilisant les courants d'air ascendants. Elle est connue pour être un excellent voilier, exploitant les vents pour économiser de l'énergie. Rôle du gular rouge des mâles. L'un des traits distinctifs des mâles frégates Superbes est leur gular rouge écarlate qui peut être gonflé en une poche en forme de ballon lors des parades nuptiales. Cette caractéristique est utilisée pour attirer l'attention des femelles et rivaliser avec d'autres mâles lors de la compétition pour les partenaires. Le gular rouge vif est un indicateur de la qualité génétique et de la condition physique du mâle. Reproduction, les frégates Superbes se reproduisent en colonies sur des îles isolées. Les mâles effectuent des parades élaborées pour attirer l'attention des femelles. Ils gonflent leur gular rouge vif et font des mouvements de tête et d'ailes spectaculaires. Les femelles pondent généralement un seul œuf dans un nid construit en hauteur, souvent dans les arbres. La période d'incubation dure environ 50 jours, et une fois l'œuf éclos, les poussins sont nourris par les deux parents pendant plusieurs mois avant de devenir indépendants. À
Alimentation en vol. Les frégates superbes sont des oiseaux marins spécialisés dans la capture de proies en vol. Elles volent au-dessus de l'océan en repérant les poissons, les calmars et les autres créatures marines qui nagent près de la surface de l'eau. Elles plongent rapidement en piquet pour attraper leur proie avec leur bec pointu. Les frégates superbes sont également connues pour leur technique de cleptoparasitisme, où elles harcèlent d'autres oiseaux marins, comme les fous de Bassan, pour leur voler leur proie en plein vol. Dépendance à l'égard des autres espèces. Malgré leur aptitude exceptionnelle au vol, les frégates superbes ont une difficulté à se poser sur l'eau ou sur terre en raison de leurs ailes longues et de leur queue fourchue. Elles dépendent souvent d'autres espèces d'oiseaux marins pour les aliments faciles à attraper. Elles volent près d'eux et les harcèlent jusqu'à ce qu'ils régurgitent leur proie, qu'elles peuvent ensuite attraper en plein vol. Statut de conservation. La frégate superbe est classée comme une espèce de préoccupation mineure par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Bien que certaines populations locales aient été affectées par la perte d'habitat et la perturbation humaine, la frégate superbe reste répandue et abondante dans son aire de répartition. La frégate superbe est un oiseau remarquable, avec des adaptations uniques pour la vie en mer et des comportements fascinants lors de la reproduction et de l'alimentation en vol. Sa présence majestueuse dans les océans en fait l'une des espèces les plus emblématiques des environnements marins.